quand je suis Chine, j'étais en amour par de sa tête, je voyais plus clair. Il n'y avait rien que Johnny qui comptait pour moi. Il m'a fait perdre 10 ans de ma vie, Chris. J'ai rien que 30 ans que je me sens comme si j'en avais 60. Comment as-tu fait faire des affaires, ce gars-là? Moi, la niaiseuse, je l'écoutais. Envoyez donc! J'ai travaillé pour lui au club pendant 10 ans. J'étais belle, j'attirais la clientèle. Tant que ça a duré, ça allait bien, mais là... Bon, tort, que je t'écœure. Je me crisserai en bas d'un pont, c'est pas mal, hein? Il me reste plus rien qu'à me saouler à cette heure. Puis c'est ce que je fais depuis vendredi. Pauvre Lise. Forcément, quand elle est enceinte, qui est mal pris, les bons lieux. Elle est jeune, elle. Je vais lui donner l'adresse de mon docteur, puis tout va s'arranger. Avant de pouvoir tout recommencer en neuf. Pour moi, je suis trop vieille. Une fille qui a fait de la vie pendant 10 ans, ça pogne plus. Je suis finie. Puis essayez donc d'expliquer ça à mes soeurs. Comprendront rien. Je ne sais pas ce que je vais devenir. Je ne sais pas en tout. Se faire avorter, c'est pas une petite affaire. J'ai entendu assez d'histoires là-dessus. C'est pire quand on fait ça nous autres-mêmes. Ça fait que je suis mieux d'aller voir le docteur à Pierrette. Oh, pourquoi ça toucherait à moi, ces affaires-là? Les chanceuses, elle, Pierrette. Elle travaille dans le même club depuis 10 ans. Elle fait de l'argent comme de l'eau, puis elle est en amour. Moi, que je l'en vis donc, même si sa famille l'aime pas, au moins, elle est heureuse de son bord. Ils m'ont laissé tomber comme une roche. Tiens, fini, Nini, veux plus te voir. T'es trop vieille, Astor, t'es trop laite. Fais tes bagages, te débarrasse. Plus besoin de toi. Ben, les cœurs, il m'a pas laissé une scène. Pas de maudite scène noire après tout ce que j'ai fait pour lui pendant 10 ans. 10 ans. 10 ans pour rien. C'est passé pour se tuer, ça, vous pensez? Qu'est-ce que je vais devenir, moi, hein? Qu'est-ce que je vais devenir? Une petite ouétrice cheap du crèche comme Lise? Oh non, merci bien. Les crèches, c'est bon pour les débutantes et les mères de famille, mais pas pour les filles comme moi. Je ne sais pas ce que je vais devenir, je ne sais pas en tout. Puis je suis obligée de faire la semaine. Ouais, il ne me reste plus rien que la boisson ou ça. Une chance que j'aime ça. J'ai peur. Bon Dieu que j'ai peur. Et tout ça, ça va bien aller, Pierrette. Vous savez comme j'ai peur.